Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire présenté par Afrinic, le dernier webinaire en français de l'année. Le sujet d'aujourd'hui va porter sur comment déployer IPv6 pour les équipements terminaux en entreprise. Ce webinaire sera présenté par Stephen et il sera assisté par Bachir et Willy. Donc, nous allons laisser la parole à Stéphane qui va vous entretenir et vous édifier tout au long de ce webinaire que nous espérons aussi interactif et qui vous apportera un certain nombre d'éclairages. Alors, bonsoir. Bonsoir. Merci, Willy, pour l'introduction. Comme tu l'as dit, c'est le dernier webinaire de l'année. Nous invitons tous ceux qui sont présents à nous dire s'ils nous écoutent parfaitement, si le son est audible. Donc, saisissez dans le chat. Si vous nous recevez 5 sur 5 et aussi de quelle ville, de quel pays vous nous rejoignez. Prince Borosé. Bonjour, Fumens. Ah, ok, merci, Racha. Emmanuel. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la liste des pays? DRC, RDC, Burkina. Lubumbashi, la RDC est fortement représentée, on dirait. Le Niger, ah, ok, RDC, c'est partout, là. Kinshasa, Lubumbashi, Goma, Lomé aussi, là. Bukavu est dans la place. Ok, ça, c'est hyper intéressant. Alors, le webinaire de ce soir va porter sur le déploiement d'IPv6 aux équipements terminaux. Quand on parle des équipements terminaux, j'espère que tout le monde comprend de quoi il est question. Nous parlons justement des équipements qui sont connectés dans les divers VLAN, dans notre LAN. Il s'agit de nos tablettes, de nos PC, de nos ordinateurs, de nos smartphones. Comment est-ce qu'on attribue les adresses IP à ces autres équipements-là dans notre réseau? Avant de commencer, j'aimerais qu'on fixe un peu quelques règles. La première chose, c'est que si vous avez une question à poser, allez dans la section questions-réponses. Donc, c'est dans la section questions-réponses que vous devez poser vos questions. Si vous avez un commentaire à faire, vous saisissez dans le chat. Tout au long de ce webinaire, nous allons utiliser l'outil menti.com, menti.com. Et Willy va partager avec vous le lien et le code. Donc, vous avez le lien menti.com. Et comme ça, nous allons de temps en temps vous poser les questions. Nous voulons que ce séminaire soit véritablement interactif. Ça veut dire, nous voulons que de votre côté, vous puissiez participer au maximum. Et vous allez donc participer en posant vos questions et en répondant aux questions que nous allons poser. Ces questions, ce n'est pas nécessairement pour tester votre niveau. C'est pour que nous nous maintenions éveillés, vous et nous. Donc, sans plus tarder, nous avons 52 participants. Ça, c'est intéressant. On espère que d'autres vont encore joindre au fur et à mesure que nous avançons. Et là, nous allons donc lancer le webinaire proprement dit. Donc, vous avez mon lien Twitter. Vous pouvez me suivre sur monlieu. Attends, autant pour moi sur Twitter. Voilà donc. Qu'est-ce que vous devez faire avant d'arriver à cette étape du déploiement IPv6? La première chose, c'est que pour commencer même votre projet de déploiement IPv6, vous devez faire déjà un plan global du déploiement et vous rendre chez Afrinic, obtenir votre préfixe IPv6 ou bien soit chez Afrinic, soit chez votre fournisseur d'accès Internet. Une fois que vous avez votre préfixe IPv6, vous devez l'annoncer sur Internet. Donc, si vous faites BGP avec votre fournisseur d'accès, vous allez donc faire BGP pour IPv6 et annoncer ce préfixe sur Internet. Si vous ne faites pas BGP, vous devez passer votre préfixe à votre fournisseur d'accès pour qu'il puisse l'annoncer sur Internet. Et une fois que votre préfixe est annoncé sur Internet, vous devez donc faire l'audit de l'infrastructure. Bon, ces étapes ne sont pas séquentielles. Hein. Vous pouvez faire l'une avant l'autre.
Mais cet ordre est un ordre qui marche pour nous tout de même. Donc, vous devez faire l'audit de votre infrastructure. Certaines personnes vont vouloir faire l'audit de l'infrastructure avant de commencer même à aller obtenir le préfixe. Ils ne sont pas... certains peuvent même faire deux ou trois étapes en parallèle. Mais après, donc, que vous avez fait votre annonce, vous faites l'audit de votre infrastructure. L'audit ici, là, c'est pour savoir si votre infrastructure supporte IPv6, c'est-à-dire les équipements que vous avez dans votre réseau, c'est-à-dire les routeurs, votre firewall, ainsi de suite, est-ce qu'ils supportent IPv6? Les logiciels que vous utilisez, est-ce qu'ils supportent IPv6? Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut changer des équipements? Est-ce qu'il faut mettre à jour des systèmes d'exploitation? Est-ce qu'il faut mettre à jour des logiciels, ainsi de suite? Et après donc l'audit, vous avez votre rapport d'audit. Vous allez donc faire votre plan d'adressage. Et quand vous avez fait le plan d'adressage, vous allez donc avoir les adresses IP qui vont être utilisées sur l'infrastructure au niveau de la dorsale de votre réseau et au niveau de la distribution. Et une fois que vous avez routé votre préfixe de la dorsale vers l'intérieur, vous allez donc router le préfixe qui est utilisé pour les divers VLAN. Donc, voilà ce que vous devez faire, vous devez avoir fait pour être à cette étape. Maintenant, quand vous êtes à cette étape, c'est le déploiement proprement dit aux équipements qui vont utiliser IPv6 dans votre réseau. Donc, chaque fois, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Hein. Tous nos webinaires sont mis en ligne sur Afrinik IP Academy. Donc, nous allons commencer donc par un composant hyper intéressant et hyper essentiel pour IPv6. Il s'agit du NDP. NDP est un nouveau protocole pour IPv6. C'est un nouveau protocole qui va donc comme ça permettre aux équipements IPv6 de pouvoir faire la découverte de voisins, la découverte de réseaux, la découverte des routeurs dans le réseau. Donc, il s'appuie fortement sur ICMPv6 et ICMPv6, c'est le successeur de ICMP. J'imagine que vous connaissez à quoi servait ICMP. ICMP, c'est pour communiquer les erreurs et aussi les informations de diagnostic de votre réseau. Donc, voilà les deux éléments que ICMP faisait pour IPv4. Vous savez que IP en lui seul, pour communiquer, a besoin qu'un certain nombre de choses préalables soient faites, notamment la résolution d'adresse MAC, la résolution de conflits d'adresse entre équipements et ainsi de suite. Donc, IP, lui, il ne peut pas faire ça. En IPv4, donc, pour résoudre tous ces problèmes, on utilisait les trucs comme ARP, on utilisait ICMP, on utilisait IRDP. ARP permettait la résolution d'adresse MAC et aussi la résolution de conflits d'adresse, pendant que ICMP permettait le contrôle, les messages pour les protocoles tels que ping, traceroute, ainsi de suite. Et aussi, lorsque j'envoie un paquet, s'il y a une erreur, par exemple, la taille du paquet est trop grande, je dois recevoir un message. Si, par exemple, je n'ai pas de route pour arriver à la destination, je dois recevoir un message. Donc, c'est à ça que servait ICMP en IPv4. Maintenant, en IPv6, on a quelque chose d'hyper intéressant. Hein? Parce que en IPv6, vous avez vu qu'en IPv4, pour résoudre tous ces problèmes sous-jacents à la communication des équipements, j'ai besoin de plusieurs protocoles. J'ai besoin de ARP, j'ai besoin de ICMP, j'ai besoin de IRDP et toute une panoplie de protocoles. En IPv6, on va donc créer un protocole qui s'appelle NDP. Et NDP, c'est donc quoi?
L'ADP, c'est quoi? C'est un ensemble de mécanismes. Premièrement, ICMPV6, comme je l'ai expliqué, sert d'abord à la gestion d'erreurs, à la découverte des voisins, à la découverte des routeurs et enfin à la mobilité IPv6. Et cette gestion d'erreur, est faite donc par ICMPV6 à l'aide d'un ensemble de messages ICMPV6. Dans ce paquet de messages, on a les messages d'erreur, on a les messages de diagnostic et on a des messages qui vont donc être ajoutés pour gérer tout ceci. On va les appeler donc les messages NDP. Et ça va donc, ces nouveaux messages vont nous permettre de découvrir les voisins, de découvrir les routeurs et de gérer la mobilité IPv6. Il y a aussi le redirect. Donc, de rediriger des routeurs vers des routeurs, les équipements vers des routeurs plus intéressants. Donc, voici à quoi ressemble l'entête d'un paquet IPv6. On a plusieurs champs et on a un champ particulièrement intéressant qui est le champ NextHeader. Le champ NextHeader, comme ça donc, permet d'encapsuler des entêtes supplémentaires. Lorsque la valeur du champ NextHeader est à 58, c'est ICMP. Et on va donc utiliser ICMP à plusieurs fins, notamment pour NDP. Donc, pardon, voilà à quoi ressemble un paquet NDP, ou encore un message ICMPV6. J'ai dit tantôt qu'il y avait l'entête de base. Dans l'entête de base, il y avait le champ NextHeader dont la valeur était à 58. Et dans l'entête ICMP, que voici, dans le champ ICMP que voici, on a cette entête, l'entête ICMP, qui va donc donner un ensemble de champs pour ICMPV6 lui-même. Et on a le corps du message ICMP. Le corps du message ICMP peut contenir un ensemble d'options que voilà. Je vous laisse le soin de regarder ça plus tard. Donc, les fonctions du NDP pour les nœuds. Pour les nœuds, on aura par exemple la configuration d'adresse avec Slack, la résolution d'adresse MAC, la notification lorsque l'adresse MAC d'un voisin change, la détection de voisin. On a le duplicate address detection. Donc voilà ce que un nœud peut faire. Pour les hôtes, un hôte va par exemple envoyer un message pour voir quels sont les routeurs qui sont sur le réseau ou encore solliciter à part pour des routeurs les paramètres du réseau tels que le MTU, s'il y a des préfixes sur le lien, le nombre de sauts qu'il va mettre dans les paquets à envoyer sur le lien. Et le rôle des routeurs en NDP, il va pouvoir s'annoncer sur le réseau avec par exemple un MTU, le préfixe, le nombre de sauts à utiliser par les équipements. Et il va annoncer sa présence pour dire par exemple, vous pouvez m'utiliser comme passerelle par défaut. Il permet aussi de déterminer, donc à l'aide des NDP, un voisin, un routeur va par exemple déterminer quel est le prochain saut et quels sont les équipements dans le réseau qui peuvent utiliser ce prochain saut-là. Et ça va aussi permettre aux routeurs de faire de la redirection s'il y a des routeurs plus intéressants sur le lien. Donc, nous allons faire un peu une brève comparaison des fonctionnalités qu'on avait sur IPv4 par rapport à ce qu'on peut avoir sur IPv6. Donc, les fonctionnalités sont les suivantes. On aura besoin de déterminer l'adresse MAC. Si un hôte veut communiquer avec un autre hôte, il a besoin de connaître l'adresse MAC de ce hôte-là. Lorsque vous allez configurer une adresse IP,
sur un équipement, il a besoin de s'assurer que un autre équipement sur le réseau n'utilise pas encore cette adresse. Et lorsque les équipements se connectent sur un routeur, sur un réseau, ils ont besoin de connaître quels sont les routeurs sur ce lien-là. Et on aura besoin, par exemple, de rediriger des équipements vers d'autres routeurs plus intéressants sur le lien. Et on a une autre panoplie d'informations, de transactions qu'on peut opérer sur un lien. Par exemple, la découverte des préfixes, la découverte des paramètres sur le réseau, des paramètres, la configuration d'adresse de façon automatique, la sélection des routeurs de NextHope, la détermination si un équipement est encore présent et disponible et peut communiquer, ainsi que la mobilité. Pour chacune de ces fonctionnalités, par exemple pour la détermination des adresses MAC, en IPv4, on utilisait ARP. En IPv6, on va utiliser NDP et on va utiliser deux messages particuliers de NDP, le Neighbor Solicitation et le Neighbor Advertisement. Pour la résolution des conflits d'adresse, en IPv4, on utilisait ARP. En IPv6, on va utiliser NDP avec Neighbor Solicitation et Neighbor Advertisement. En IPv4, pour connaître la présence des routeurs sur le lien, on utilisait IRDP. En IPv6, on va utiliser NDP avec deux messages, le Router Solicitation et le Router Advertisement. Donc, il y a une erreur là. Donc, le Router Solicitation et le Router Advertisement. Et enfin, en IPv4, on pouvait faire du redirect en utilisant ICMP. En IPv6, on va utiliser NDP pour faire du redirect, du NDP redirect. Et il y a toute une autre panoplie d'informations, de transactions qu'on peut faire en IPv6 qui n'existait pas en IPv4. Et pour cela, on va utiliser les autres fonctions d'NDP, mais on va utiliser toujours les messages Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement. Donc, les cinq messages NDP que nous devons connaître, c'est quoi? J'ai déjà énuméré le Neighbor Solicitation qui est envoyé par un routeur et en réponse par tout équipement dans le réseau. En réponse au Neighbor Solicitation, on a le Neighbor Advertisement. On a le Router Solicitation qui est envoyé par tout équipement dans le réseau. En réponse, on a le Router Advertisement. Et on a le Redirect qui est envoyé par un routeur à un nœud, à un équipement pour lui dire qu'il y a une meilleure option de routage sur le réseau. Donc, comme ça, je vais donc m'arrêter ici là pour vous poser ma première question pour voir si on est ensemble. Juste pour rafraîchir la mémoire, allez sur menti.com, utilisez le code 86 95 20, donc connectez-vous à menti.com. À menti.com et répondez à la question qui s'affiche à l'écran. Utilisez le code 86 95 20. Connectez-vous à menti.com. Allons-y, il nous reste 45 secondes pour cette question. Allez sur www.menti.com, entrez le code 86 95 20 et répondez à la question. On a une personne qui a répondu. Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement, Redirect. Et il y a quelqu'un d'autre ici qui a répondu. Neighbor Solicitation, Neighbor Advertisement, Router Solicitation, Router Advertisement. OK. Allons-y, continuons. Deux personnes seulement ont pu répondre.
Nous attendons les autres participants. Il reste 15 secondes. Dans 15 secondes, on va arrêter. S'il vous plaît, nous voulons que le webinaire soit assez interactif. Tout le monde doit participer. Il reste 5 secondes. Neighbor solicitation, neighbor advertisement, router solicitation, router advertisement, redirect. OK, hyper intéressant. Voilà. Voilà. Merci pour ceux qui ont participé. On va continuer le webinaire. La prochaine question. Laquelle des options sont des fonctions NDP? Donc, toujours sur menti.com, nous allons passer à la prochaine question. La prochaine question, laquelle de ces options sont des fonctions de NDP? Donc, on a router discovery, prefix information, DNS SSL, redirect header, source aggregation et MTU. Donc, répondez. Voilà. OK. Pas mal. 8 personnes ont déjà réagi. Il reste 30 secondes. OK. Voilà. OK. Hyper intéressant. OK, 5 secondes. OK, merci pour vos réponses. On va voir dans la présentation les réponses exactes. Donc, les options utilisées par les messages NDP sont les suivantes. Donc, on a toute cette liste d'options et on a les messages dans lesquels ces options apparaissent. Donc, si on prend par exemple le source link layer address, il apparaît dans le message router solicitation, router advertisement et le neighbor solicitation. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que le router advertisement, c'est quand même un message assez important pour NDP. OK? Donc, voici un exemple de router solicitation. Le but du router solicitation, comme on l'a expliqué plus tôt, c'est quand un routeur se connecte sur un réseau, il annonce sa présence et il peut aussi envoyer des informations du réseau. Là, par exemple, nous avons un exemple de router advertisement. Et si vous regardez là, le type, c'est le type 133. Donc, quand vous voyez le type 133, sachez qu'il s'agit d'un router advertisement. Et si vous voyez dans le champ next header de votre paquet IPv6, le champ 3A, si vous convertissez en décimal, la valeur c'est 58. Donc, voilà un exemple de router advertisement. Et si vous voyez, par exemple, ce routeur communique, quand il communique, chaque fois qu'il communique, il envoie quand même son adresse MAC. Et il va aussi envoyer son adresse de lien local pour que les équipements dans le réseau puissent l'utiliser. Et vous voyez la destination FF02.2.2, c'est... OK. Ça, c'était un router solicitation. Donc, ça, c'est l'adresse de tous les routeurs sur le lien. C'est l'adresse de tous les routeurs sur le lien. Voilà. Donc, là, en réponse au router solicitation, on a un router advertisement. Et le router advertisement, ici, toujours, vous voyez que la valeur du next header dans le paquet d'entête de base, c'est 3A qui correspond à 58. Et ici, vous voyez que la source, c'est ça, et la destination, c'est
l'adresse IPv6 de tous les équipements sur le lien. Donc, tous les équipements qui sont connectés sur ce lien vont recevoir ce paquet. La suite, on se rend compte, c'est le type 133 Router Advertisement, 134 autant pour moi Router Advertisement. Et ici, on a les options d'ICMPv6, l'adresse source, qui est l'adresse MAC source de l'équipement. Vous voyez qu'une fois qu'un équipement a reçu ce paquet, il n'a plus besoin de faire de la résolution d'adresse MAC. Il connaît l'adresse MAC de l'équipement qui envoie ce paquet. Et dans ce paquet, on se rend compte qu'il y a un préfixe. Il y a un préfixe et le préfixe est le suivant, 2001-2C0F-FE-B8-3-2.2. Et si le champ A est activé, alors les équipements qui recevront ce paquet pourront donc configurer une adresse IP. Et on voit que la longueur du préfixe ici est de 32. Non, ça c'est un préfixe slash 32. Et on a OK. Donc, le préfixe length plutôt est de 64. Donc, désolé, c'est un slash 64. Donc, les équipements pourront donc utiliser ce préfixe pour se configurer un slash 64. Et là, on a un ensemble de flags. On n'a pas déroulé les flags ici-là. Dans les flags, on aurait les options telles que le champ O, le champ M, le champ A, ainsi de suite. Donc, voilà un exemple de router advertisement que nous avons capturé sur un réseau IPv6. Les messages Neighbor Solicitation. Le Neighbor Solicitation est envoyé par un équipement IPv6, par tout équipement IPv6 sur le réseau. Et il va donc permettre, par exemple, à déterminer les adresses MAC des voisins, à résoudre les conflits d'adresses, à vérifier l'accessibilité des réseaux, des routeurs, des équipements sur le réseau. Voilà un exemple de Neighbor Advertisement qui est une réponse à un Neighbor Solicitation. Donc, ce neighbor advertisement est un neighbor advertisement sollicité. On le sait comment? Parce que le champ sollicité ici est à 1. Ce neighbor advertisement est envoyé par un routeur. Et on a le champ not override ici. Donc, ça ne va pas override, ça ne va pas écraser les informations liées à ce routeur dans le voisin qui va le recevoir. Le target, on voit que voici le target. Donc, c'est destiné à cet équipement. Donc, cet équipement avait envoyé un neighbor solicitation et en réponse à ce neighbor solicitation, on va envoyer un neighbor advertisement. Voilà un exemple de neighbor advertisement, cette fois-ci qui est sollicité. Et ici, on voit que le target, c'est un MacBook. Hein? Et ça ne vient pas d'un routeur. Cette fois-ci, ça vient d'un autre. Et là, c'est sollicité. Donc, ça vient de cet équipement. Donc, cet équipement a envoyé un neighbor solicitation et l'autre est en train de répondre comme ça là à ce neighbor solicitation. Donc, comme on a dit tantôt, ce neighbor advertisement va donc permettre de faire des trucs comme DAD, Duplicate Address Detection, Link Layer Address Resolution et aussi le Neighbor Unreachability Detection pour voir si un voisin est toujours up. Le message redirect est envoyé par un routeur sur le lien. Donc, imaginons que j'ai ce routeur et puis j'ai cet autre routeur. Ce routeur est connecté à ce serveur. Le serveur, allons dire que c'est S1. Et celui-ci est connecté, allons dire, à Internet.
Et on a un lien sur lequel on a un exemple, un ensemble d'équipements IPv6. Et on a notre équipement là qui est connecté. Maintenant, les équipements IPv6 ont la possibilité d'avoir plusieurs routeurs par défaut. Donc, ils ont une liste de routeurs. Quand ils veulent donc envoyer un paquet à une destination qui n'est pas sur le même LAN, ils vont donc utiliser un des routeurs dans la liste. Imaginons donc que celui-ci, c'est routeur 1 et celui-là, c'est routeur... Celui-ci, c'est routeur 1 et celui-là, c'est routeur 2. Routeur 1 vient sur le lien, envoie un router advertisement et s'annonce à cet équipement. Cet équipement va donc sauvegarder dans sa liste des routeurs. Il va sauvegarder donc ici routeur 1. Et après, routeur 2 va aussi envoyer un router advertisement et on va sauvegarder aussi routeur 2. Imaginons qu'à un moment donné, cet équipement H1 veuille envoyer un paquet au serveur S1. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder dans sa table des routeurs, il va voir que routeur 1 est là et il va envoyer le paquet à routeur 1. Étant donné que routeur 1 et routeur 2 sont sur le même lien, routeur 1 va envoyer le paquet au bon routeur pour la destination et il va envoyer un message. Il va envoyer un message de redirect à cet équipement pour lui dire qu'il existe un routeur préférable pour atteindre S1. Et hôte 1 va donc continuer à utiliser R2 pour aller sur S1. Donc, voilà le message redirect. Maintenant, les fonctions de NDP. La première fonction, c'est le Duplicate Address Detection où on a un équipement comme celui-ci. On a N1 qui utilise déjà l'adresse suivante. N2 arrive sur le réseau et il y a une config qui est faite avec la même adresse. Ça peut être malveillant ou bien ça peut être juste une erreur. Qu'est-ce que N2 va faire? Il ne va pas tout de suite utiliser ce réseau, cette adresse. Il va d'abord envoyer un message dans le réseau pour voir s'il n'y a personne qui utilise la même adresse. Et puisque N1 utilise cette adresse, il va donc répondre avec un neighbor advertisement. Donc, voilà un exemple d'utilisation de neighbor solicitation et de neighbor advertisement pour faire du duplicate address detection. Les états d'une adresse IPv6, on va rapidement brosser ça. Il faut noter que lorsque une adresse est configurée sur un équipement IPv6, il n'est pas tout de suite utilisé. Il est en mode tentative. Et lorsqu'il est en mode tentative, l'équipement ne peut ni émettre ni recevoir. Il va donc faire le duplicate address detection. Si le duplicate address detection est OK, ça veut dire que cette adresse est bonne. S'il n'est pas OK, ça veut dire que cette adresse est dupliquée et l'équipement ne pourra pas utiliser l'adresse. Lorsque le DAD est OK, l'équipement va donc regarder si le preferred lifetime de l'adresse est supérieur à 0 et cette adresse est donc en mode preferred. On peut donc utiliser cette adresse dans le réseau. À un moment donné, lorsque le preferred lifetime de l'adresse est inférieur à 0 et que le valid lifetime continue d'être supérieur à 0, on ne peut plus émettre de nouvelles communications avec cette adresse. Mais on peut continuer de communiquer avec les équipements dont on a déjà ouvert des communications. Et lorsque le valid lifetime devient inférieur à 0, cette adresse est tout simplement non valide. Il faut donc solliciter une autre adresse IPv6. Voilà donc un exemple de paquet neighbor solicitation pour faire du duplicate address detection. Vous allez voir que ici, le paquet vient d'une source non spécifiée. Le 2.2 est utilisé par les équipements IPv6 lorsqu'ils n'ont pas encore
d'adresse IPv6. Et notre équipement envoie l'adresse, le paquet à cette adresse. Cette adresse est appelée une adresse SNME, Solicited Note Multicast Address, l'adresse multicast de sollicitation de nœud. Comment on fait pour savoir cela? Vous regardez juste le préfixe. Le préfixe FF02.2.1.2.FF. Comment est-ce qu'on construit cette adresse? On prend ce préfixe, on ajoute les derniers 24 bits. Donc, ça, ce sont les 24 bits d'une adresse unicast. Et l'adresse pour laquelle on est en train de faire la résolution, voici l'adresse en question. 2C0FFEB8.3.2.2. Maintenant, l'équipement qui veut utiliser ceci va donc constituer l'adresse multicast de sollicitation de nœud et envoyer ce paquet. S'il y a donc un équipement sur le lien qui utilise déjà cette adresse IP, il va répondre pour dire que cette adresse est déjà utilisée. Donc, voilà un exemple de paquet. Maintenant, la résolution d'adresse MAC. Pour la résolution d'adresse MAC, imaginons que voici l'adresse IPv6 de l'équipement 2. Et l'équipement 1 veut pouvoir communiquer avec l'équipement 2. La première des choses, c'est d'envoyer un paquet sur le réseau et demander l'adresse IP, l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IPv6. Et il va donc envoyer ce message à l'adresse multicast de sollicitation de nœud qui correspond à ces derniers 24 bits. Et lorsque N2 va recevoir donc, il va répondre et dans le champ target, il va dire, vous avez demandé l'adresse MAC qui correspond à cette adresse IP, voici mon adresse MAC. Une autre fonction du NDP, c'est le Neighbor Unreachability Detection que nous avons à l'écran. C'est très simple. C'est un équipement qui, à un moment donné, veut savoir si un voisin est toujours disponible sur le lien. Donc, voilà un exemple de paquet pour le Neighbor Unreachability Detection. C'est un neighbor solicitation. Voilà, donc comme ça, c'est rapidement brossé le NDP. C'est un protocole assez vaste. Donc, si on veut le présenter, ça nous prendra au moins une demi-journée. Et on va s'arrêter ici là pour prendre des questions s'il y en a. Est-ce que vous avez des questions? OK, donc il y a quelques questions. Willy a répondu à toutes les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez d'autres questions, essayez de les poser. Posez vos questions dans la session Question and Answer. Donc, ma question est de savoir comment faire le calcul de IPv6. Le calcul, on ne comprend pas bien la question. Le calcul, c'est-à-dire le plan d'adressage. Si c'est pour le plan d'adressage, on ne peut pas s'attarder là-dessus parce que c'est tout un autre webinaire. Willy va vous envoyer un lien. Pour un précédent webinaire que nous avons fait sur l'adressage, le plan, comment faire votre plan d'adressage IPv6. Donc, Willy va vous envoyer un lien là-dessus. C'est sur notre chaîne YouTube. Et Willy va vous envoyer un lien là-dessus et aussi un lien sur notre plateforme e-learning. learn.afrinic.net. Et sur ce lien-là, vous avez comment faire un plan d'adressage.
IPv6 address planning. Donc, allez sur ce site, learn.afrinic, e-learning, autant pour moi, e-learning.afrinic.net. OK? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle différence faites-vous entre NDP et CDP? Cisco Discovery Protocol. CDP est un protocole propriétaire de Cisco. Bon, il y a aussi LLDP, Link Layer Discovery Protocol, qui est l'équivalent de CDP, mais en version ouverte, qui peut être utilisé sur n'importe quel système. CDP est un protocole qui fonctionne au niveau de la couche 2 du modèle OSI. Donc, son but, c'est de découvrir les adresses MAC des équipements qui existent sur le réseau. Or, le protocole NDP, vous avez remarqué qu'il fonctionne au niveau de la couche 3 du modèle OSI avec les messages Neighbor Solicitation, qui est un paquet IPv6, Neighbor Advertisement, qui est un paquet IPv6, Router Solicitation, paquet IPv6, Router Advertisement, paquet IPv6 et Redirect. Donc, tout ceci sont des... C'est un protocole de la couche 3 du modèle OSI qui va donc, comme ça, la découvrir des voisins, quel que soit le type de voisin. Il n'est pas basé sur l'adresse MAC, mais sur les adresses IP. Contrairement à CDP, qui est basé sur les adresses MAC, et qui est l'équivalent de LLDP, qui est aussi basé sur les adresses MAC. Donc, nous avons répondu à cette autre question. Bon, il y a Paul-Marie qui veut savoir le sous-réseautage. Willy vous a envoyé un lien. Donc, vous allez aller sur ce lien-là pour suivre le cours sur les sous-réseaux. Mais sinon, on va faire un autre webinaire une autre fois pour parler de cela encore. Noé, je n'ai pas bien compris le SNME. Le SNME est l'adresse multicast de sollicitation de nœud qui se fabrique en utilisant le préfixe FF02.2.2.2.FF. Et vous allez donc ajouter les 24 bits de l'adresse IP que vous voulez utiliser. Donc, un exemple va être quoi? Si je prends l'adresse IP 2001DB8, pourquoi je me casse la tête? Attends, on va regarder une adresse qui existe déjà. On va regarder une adresse qui existe. Là, par exemple, dans notre cas, nous avons cette adresse IP. Nous avons cette adresse IPv6. Là, ils n'ont pas utilisé la SNMA. On va prendre un cas qui utilise une adresse SNMA. Voilà. Donc, voici par exemple une adresse. L'adresse 2001DB8C0012.2.20. Les 24 derniers bits de cette adresse, c'est 002.0020. Voilà les 24 derniers bits. Donc, pour fabriquer
L'adresse SNMA de cette adresse, je vais utiliser le préfixe FF02.2.2.2.FF et je vais ajouter les 24 derniers bits de cette adresse IP 0020. Donc voilà l'adresse multicast de sollicitation de nœud correspondant à cette adresse IP. Pour chaque adresse unicast que vous configurez sur un équipement, une adresse multicast de sollicitation de nœud équivalente est générée en utilisant l'algorithme que je viens de vous montrer. On prend le préfixe FF02.2.2.2.FF et on ajoute les 24 derniers bits d'une adresse unicast. C'est une adresse qui est utilisée en IPv6 pour optimiser les communications. Déjà, notez qu'en IPv6, il n'y a plus de broadcast. On utilise essentiellement le multicast pour la plupart des fonctions NDP. Et on ne va pas se limiter au multicast. Dans le multicast, on va encore faire un découpage multicast en créant donc les communications de multicast sollicitées en utilisant donc cette adresse IP. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je vois qu'il y a encore des questions là. Je vois qu'il y a d'autres questions. Bon, on a répondu à la question de Noé. En quoi consiste la division d'une adresse en deux parties égales? Donc, je vous renvoie au cours sur le plan d'adressage, le lien qu'on vous a envoyé. En quoi alors le Anycast? Le Anycast, quoique ce ne soit pas le sujet, est une forme d'adressage, une forme de communication, autant pour moi, où on utilise la même adresse IP, on peut utiliser la même adresse IPv6 pour plusieurs équipements, la même adresse IPv6 unicast pour plusieurs équipements. Et lorsqu'un paquet va être envoyé à cette adresse, le paquet va être livré à l'équipement le plus proche. C'est une façon de faire de la haute disponibilité. C'est beaucoup plus utilisé dans les serveurs DNS, par exemple. Si j'ai un serveur DNS que je veux rendre disponible, je peux, par exemple, utiliser la même adresse IPv6 et placer ces serveurs-là à plusieurs endroits. Quand vous allez donc faire une requête vers cette adresse IP, le serveur DNS le plus proche vous sera servi. Le cas, par exemple, du 9.9.9.9 ou encore du 8.8.8.8. Quand vous envoyez une requête vers ce serveur DNS, le serveur DNS qui vous répond, c'est le serveur DNS le plus proche. D'accord? C'est le serveur DNS le plus proche. Cela est fait grâce au Anycast. Et on a quel protocole peuvent bloquer le RA? On va voir ça tout à l'heure. Donc, on peut garder cette question-là pour tout à l'heure. OK. Donc, on va continuer. Maintenant, on va voir comment est-ce que on attribue les adresses IPv6 dans les réseaux. Le premier mécanisme d'attribution, c'est par SLAC ou DHCPv6. Donc, je vais donc vous renvoyer sur menti.com. De quels paramètres avons-nous besoin pour nous connecter à Internet? Allons sur menti.com.
de quels paramètres avons-nous besoin pour nous connecter à Internet? Allez sur menti.com. Le code, c'est 86 95 20, et essayons de donner une réponse. Menti.com, il vous reste 45 secondes. De quels paramètres avons-nous besoin? Ou encore, de quels paramètres un équipement a-t-il besoin pour se connecter à Internet? IP public, masque de sous-réseau, passerelle DNS, adresse masque de sous-réseau, passerelle par défaut DNS. Nous sommes près de 70. Nous sommes 72 connecté à ce webinaire. S'il vous plaît, répondons rapidement pour qu'on puisse avancer. Allez sur menti.com et répondez. 15 personnes seulement ont partagé leur réponse. Allons-y. Il reste 10 secondes. Deux, un. Voilà. Donc, on va dépouiller comme ça. Masque, passerelle, DNS, IP. Voilà. C'est intéressant. Donc, pour se connecter à Internet, un équipement a besoin d'une adresse IPv6, d'un routeur par défaut et d'un résolveur DNS. OK, donc voilà de quoi nous avons besoin pour nous connecter à Internet. Il y a donc deux façons d'attribuer ces paramètres à nos équipements. On peut utiliser le router advertisement que je viens de montrer tout à l'heure pour envoyer un préfixe sur le réseau, et on va donc parler de Slack ou encore Stateless Address Auto Configuration, ou alors on peut utiliser le DHCPv6. Et si on utilise n'importe quel de ces mécanismes, on peut avoir une adresse IP, on peut avoir les informations de configuration de DNS, on peut avoir la passerelle par défaut par Slack uniquement, ce n'est pas possible par DHCPv6. Avec DHCPv6, on peut aussi faire de la délégation de préfixes, mais ça, c'est généralement dans le réseau des fournisseurs d'accès. Et le DHCP peut encore fournir d'autres informations telles qu'une adresse SIP, ainsi de suite. Donc, voilà ce qui est possible pour chacun des mécanismes que je viens de présenter. Les options du router advertisement dont nous avons besoin pour, par exemple, faire tout cela. On a le champ M qui veut dire manage config flag et on a le champ autre O qui veut dire other configurations. On a le champ L qui veut dire on link et on a le champ A qui demande aux équipements d'utiliser Slack. Donc, lorsque le champ M est activé, c'est une manière de demander aux équipements dans le réseau d'utiliser DHCP. Lorsque pour DHCP pour obtenir tous les paramètres, lorsque le champ O seulement est utilisé, ça veut dire qu'il faut obtenir d'autres informations sur un serveur DHCP en dehors de l'adresse IP. Le champ L, lorsqu'il est envoyé avec un préfixe, informe les équipements que le préfixe est sur le lien. C'est un préfixe pour lequel, lorsqu'on a besoin de communiquer, on n'a pas besoin d'utiliser une passerelle par défaut. Et lorsque vous avez donc activé le champ A, vous demandez en fait aux équipements d'utiliser le préfixe qu'ils reçoivent pour générer leurs adresses IP. Donc, les deux premiers champs sont généralement disponibles dans le message Router Advertisement.
alors que les deux autres sont des options qui viennent avec le préfixe qui est dans le route advertisement. Donc, voilà les combinaisons possibles de M et de A. Voilà comment est-ce que vous configurez un routeur Cisco pour dire, par exemple, aux équipements d'utiliser, dans ce cas, le serveur DHCP, un serveur DHCP sur le réseau pour tout, ou alors ceci, où vous dites, ou alors le deuxième, où vous dites aux équipements de solliciter les autres paramètres en dehors du DHCP à partir d'un serveur, en dehors de l'adresse IP à partir d'un serveur DHCP. Voilà donc comment vous configurez les options M sur un routeur Juno. Le champ L permet de dire si un préfixe est uplink, est on-link ou off-link. Ça veut dire, lorsque je suis un équipement qui suis connecté sur ce lien, le préfixe que vous m'avez donné, est-ce que je peux directement envoyer un message de sorte que le destinataire soit sur le lien et qu'il puisse recevoir cela? Ou alors, est-ce que j'ai besoin d'une passerelle pour communiquer avec cet équipement? Donc, voilà le rôle du champ on-link. Voilà comment vous configurez le champ L sur un routeur Cisco. Comment est-ce que vous attribuez les informations DNS à vos équipements dans votre réseau? Deux façons. Soit vous utilisez un serveur DHCP et là, vous allez donc attribuer toutes les informations ou alors une seule partie de l'information. Lorsque M est à 1, ça veut dire que vous attribuez toutes les informations. Lorsque O est à 1, ça veut dire que vous attribuez seulement une partie des informations. Et maintenant, vous pouvez aussi utiliser le router advertisement pour le faire. Mais pour que vous puissiez utiliser le router advertisement, il faut que vos équipements puissent supporter la RFC 8106, qui est un successeur de la RFC 6101. 06, autant pour moi. Donc voilà. Voilà donc comment est-ce que vous faites pour attribuer les adresses IP et les informations de DNS à vos équipements dans le réseau. Maintenant, comment est-ce que Slack marche? Voilà comment Slack marche. Lorsqu'un équipement arrive dans le réseau, il va d'abord chercher à savoir s'il existe un équipement IPv6 dans le réseau. Il va donc envoyer sur le lien un router solicitation à l'adresse FF02.2.2. Ça, c'est l'adresse de tous les routeurs. S'il y a donc un routeur, le routeur va donc lui répondre avec un router advertisement. Et le router advertisement contient les informations du réseau. Dans notre cas, par exemple, il a envoyé un préfixe et il a mis le champ AA1 pour dire que cet équipement doit utiliser ce préfixe et créer les 64 derniers bits pour se générer une adresse IPv6. Donc, voilà. Voilà donc comment vous configurez Slack sur un routeur Cisco. En passant, lorsque vous avez attribué une adresse IPv6 sur un routeur Cisco en /64, cette interface va directement faire du router advertisement sur ce préfixe en activant le champ AA1, de sorte que ce préfixe pourra donc être utilisé pour Slack. Nous venons de voir Slack qui est relativement simple à configurer et facile à gérer parce qu'on n'a pas besoin de stocker l'état des systèmes, ainsi de suite. Le deuxième mécanisme d'attribution d'adresse IPv6, c'est le stateful address.
c'est le Stateful DHCP. Et dans le Stateful DHCP, l'équipement arrive sur le réseau, il va toujours faire un router solicitation, il va recevoir un router advertisement venant du routeur, et maintenant, le router advertisement, donc, il va faire un router solicitation, il reçoit en retour un router advertisement, et dans ce router advertisement, il y a le champ M qui est égal à 1. Lorsqu'il va donc recevoir que le champ M est égal à 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc maintenant envoyer un message qui est appelé le message sollicite au serveur DHCP. Le serveur DHCP va donc envoyer un message advertise. Et le client va envoyer un message request. Et le serveur DHCP va répondre avec un message reply. Notez que dans le message advertise, le serveur DHCP met un préfixe IPv6, une adresse IPv6, par exemple 2001.db8.2.2.1. Si le client est intéressé par cette adresse, il va donc envoyer une requête de cette adresse-là. Et le serveur va donc répondre avec un reply pour lui dire « tu peux utiliser l'adresse en question ». Donc, ce sont les séquences dont je décrivais tout à l'heure. Donc, là, c'est le fonctionnement du stateless. Stateful temps pour moi, donc, c'est toujours la continuation. Et maintenant, le stateless DHCP. Le stateless DHCP a pour vocation d'attribuer les autres paramètres du réseau et non les adresses IP. Dans ce cas d'espèce, par exemple, cet équipement envoie un neighbor, un router solicitation. Le routeur va répondre avec un router advertisement dans lequel il envoie déjà un préfixe pour que notre équipement puisse se configurer une adresse à l'aide de Slack. Mais notez qu'ici, là, il ajoute le champ O qui est égal à 1 afin que les autres paramètres du réseau soient obtenus auprès d'un serveur DHCP. Donc, du coup, l'hôte va envoyer sa requête DHCP et le serveur va donc lui répondre avec les autres informations, à l'exemple d'une adresse IPv6, l'adresse IPv6 d'un serveur DNS. Voici donc comment vous configurez votre serveur DHCP stateless sur iOS. Comparaison de DHCP V4 et DHCP V6. Vous aurez ces slides. Après, vous pourrez donc parcourir. Là, par exemple, c'est quelques exemples de serveurs DHCP qui existent. ISC, KIA, White, Dibla, Windows, Cisco, ainsi de suite. Donc, voilà pour ce qui est de l'attribution des ressources dans votre réseau. Maintenant, quel mécanisme d'attribution des adresses utiliser? Si vous utilisez, en fonction des équipements que vous utilisez, des systèmes d'exploitation que vous utilisez, si vous avez par exemple Android, Android ne supporte pas le DHCP V6 Stateful. Donc, vous ne pourrez pas, par exemple, obtenir une adresse IPv6 à partir de DHCP pour vos équipements Android. Par contre, tous les autres sont contents. Donc, vous avez là un récap de ces systèmes à l'écran. Et vous pouvez vous rendre sur le site, sur Wikipédia, où on a cette page-ci,
qui vous permet de voir les systèmes d'exploitation qui supportent déjà IPv6. Et voilà comment est-ce que vous configurez donc IPv6 sur un équipement Windows qui tourne sur Windows. Et donc là, nous vous avons montré comment est-ce que vous attribuez par DHCP, comment est-ce que vous attribuez par Slack. Mais si vous tenez à faire l'assignation manuelle, bon, cela dépend de vous. Si vous n'avez pas beaucoup d'équipement, vous pourrez vous aventurer sur l'attribution manuelle. Donc ici là, vous allez entrer votre adresse IP, vous allez entrer la longueur du préfixe, vous allez entrer l'adresse de la passerelle par défaut, vous allez entrer l'adresse d'un serveur DNS, à l'exemple de 2620.fe/2.2.9 ou bien 2.2.fe. Donc voilà un exemple de serveur DNS que vous pouvez utiliser. La configuration sur macOS. Donc c'est assez simple. La configuration sur Linux. Là c'est on a utilisé Ubuntu jusqu'à la version 16. Voilà comment vous allez configurer. Voici comment est-ce que vous demandez à votre client d'obtenir une adresse par DHCP. Vous demandez à votre client d'obtenir une adresse par Slack, ainsi de suite. Donc, quelques outils de diagnostic. Là, par exemple, on a le fameux ping, trace route, ainsi de suite. Afficher votre table de routage, les infos sur votre interface, la table des voisins, le cache des voisins et les adresses multicast. Quelques outils de diagnostic, cette fois-ci sur macOS et FreeBSD. On a ping 6, trustroot 6, ifconfig, netstat-f-inet-rn permet d'afficher la table de routage sur Linux. Et on a le ndp-an qui permet d'afficher la table de voisins sous Linux. Les outils de diagnostic sous Windows. Donc, voilà. On va s'arrêter ici là pour prendre quelques questions. Est-ce que vous avez des questions? Donc, on a une question de Noé. Quelle est la différence entre le mode stateless et le mode stateful? Stateless en anglais veut dire sans état. Stateful veut dire avec état. Stateless veut dire on a configuré une adresse et on n'a pas stocké cette adresse quelque part. Vous vous souvenez, lorsque vous faites le DHCP, lorsque le DHCP attribue une adresse IP, il va donc sauvegarder cette adresse IP quelque part. Donc, on sait qu'on a attribué cette adresse à un équipement quelconque. Alors que dans le stateless, lorsque vous faites Slack, le routeur va envoyer le préfixe sur le réseau et les équipements vont prendre le préfixe, générer la dernière partie de l'adresse IP et combiner au préfixe pour avoir leurs adresses IP. Donc, on ne garde aucun état de cette adresse-là. Cette adresse n'est sauvegardée nulle part. Donc, voilà la différence entre stateless et stateful. Donc, le DHCP stateless qu'on va configurer, donc, on ne va pas mettre une plage d'adresse. On va juste mettre les autres informations de réseau, comme par exemple l'adresse d'un serveur DNS, le domaine search list, ainsi de suite. Et lorsque vous allez donc envoyer une requête vers ce serveur DHCP, il va vous envoyer juste les informations, il ne va pas vous envoyer une adresse IP.
RA est aussi fait par les modems. Si vous avez configuré un modem pour qu'il soit un routeur, il va donc faire les RA. Même votre équipement, même votre ordinateur peut faire du route advertisement. Nadège, quels sont les critères d'un choix d'attribution d'adresse IPv6? Donc, pour choisir un mode d'attribution, que ce soit Slack, DHCP, V6 ou encore manuel, ça dépend de votre réseau. Si vous avez un très petit réseau, vous pouvez faire de la configuration manuelle. Maintenant, si vous avez un grand réseau, vous voulez faire de la configuration en utilisant soit Slack, soit DHCP. Maintenant, les systèmes d'exploitation que vous utilisez dans votre réseau, est-ce qu'ils supportent le mécanisme que vous avez choisi? Si vous avez un mécanisme, si vous voulez par exemple un réseau où vous allez utiliser tout type d'équipement, Android, iOS, macOS, Linux, tout ça, vous devez utiliser au moins ce Slack. Parce que là, vos équipements Android ne vont pas pouvoir obtenir une adresse IP à l'aide de DHCP. Donc, vous serez obligé d'utiliser Slack. Maintenant, si vous êtes en train d'utiliser Slack et que dans votre réseau, vous avez des équipements avec des anciens systèmes, avec des anciennes versions de Windows, vous ne pourrez pas obtenir les informations de DNS par Slack. Parce que les anciennes versions de Windows n'implémentent pas la RFC 8106, qui est les spécifications pour le RDNS server. Donc, si votre système d'exploitation ne supporte pas cette RFC, vous ne pourrez pas obtenir les informations de DNS à l'aide de Slack. Donc, vous serez obligé de faire du DHCP. Donc, vous serez obligé, dans certains cas, de faire une combinaison de Slack et de DHCP. Donc, Slack va permettre de donner, par exemple, des adresses IP aux équipements Android. D'accord? Et peut-être aussi les informations de DNS. Donc, c'est IP plus DNS. Et pendant ce temps, si vous avez des équipements Windows, des vieux Windows, vous serez obligé d'utiliser DHCP stateless. Donc voilà, ça dépend du scénario dans lequel vous vous trouvez. Et quand vous avez votre scénario, vous allez donc regarder quel système d'exploitation supporte quoi. Vous serez amené parfois à faire des combinaisons, comme je viens d'expliquer là. Donc ça, c'était Nadège. Noé, peut-on avoir le DHCP stateless et stateful sur le même réseau? Déjà, quand vous configurez votre serveur DHCP, si vous configurez votre serveur DHCP pour qu'il soit stateless, ça veut dire qu'il n'y aura pas de pool, il n'y aura pas de plage d'adresse. OK? Il n'y aura pas de plage d'adresse. Donc, mais du moment où vous ajoutez une plage d'adresse, il devient stateful. Donc, je ne vois pas l'enjeu d'avoir deux serveurs DHCP, un stateful et un autre stateless. Du moment où vous décidez, puisque toutes les informations que vous avez sur stateful, sur stateless, vous pouvez l'avoir sur stateful. Donc, stateful, c'est simplement stateless plus plage d'adresse. À partir de quel nombre d'équipements pouvons-nous envisager d'utiliser l'adressage par DHCP? Je vais revenir encore sur la question de Nadège que j'ai répondu tout à l'heure en disant que j'ai seulement pris un volet là où il fallait s'attarder au système d'exploitation que vous utilisez. Mais il y a aussi un autre enjeu. Si vous voulez, par exemple, savoir les adresses IP qui sont utilisées dans le réseau, vous êtes obligé d'utiliser DHCP. Parce que si vous utilisez Slack, vous ne saurez pas qui utilise quelle adresse. Parce que Slack, le routeur va seulement envoyer les routes advertisements, les gens vont se configurer les adresses. Vous ne saurez pas qui utilise quelle adresse IP. À moins que vous ne commencez à traquer les communications
pour voir que telle adresse MAC utilise telle adresse IP. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, à partir de quel nombre d'équipements pouvons-nous envisager d'utiliser l'adressage par DHCP? Vous devez anticiper. Si vous voulez construire un réseau scalable, un réseau qui est appelé à grandir, dès le premier jour, commencez à utiliser les mécanismes qui permettent de gérer les réseaux volumineux. Ne commencez pas parce qu'aujourd'hui, vous avez une entreprise qui a 3 employés avec 3 ordinateurs et que vous savez que d'ici 5 ans, 10 ans, on aura la même entreprise aura 50 employés, 100 ordinateurs, avec une panoplie de serveurs. Il faut donc commencer dès le premier jour à utiliser les best practices, donc à utiliser les serveurs DHCP ou Slack. Donc, ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de comment est-ce que vous envisagez votre réseau dans 5-10 ans. Quelle est la conséquence lorsque M et O sont à 1 dans le O? M et O à 1, c'est un peu comme une duplication, hein? M égale 1 et O égale 1, c'est un peu comme une duplication parce que lorsque vous avez fait M, vous avez dit à votre équipement d'aller vers un serveur DHCP. Mais si je m'en vais déjà vers le serveur DHCP, je vais lui demander à la fois l'adresse IP et les autres options. Donc, je n'ai pas besoin de venir d'abord lui demander l'adresse IP et revenir pour lui demander les autres options. Je reviens, je lui demande tout le package, il me donne toutes les informations. Maintenant, le O, quant à lui, permet de dire, va demander seulement les autres options. Donc, c'est un peu comme une duplication, mais peut-être que vous pouvez être dans un scénario où vous êtes obligé d'activer les deux. Vous êtes dans un scénario, le scénario, par exemple, où vous avez sur votre réseau des équipements Android. D'accord? Vous voulez que les équipements Android aient leur adresse IP par Slack, donc qu'ils aient les IP par Slack, mais qu'ils aient les autres informations par DHCP. D'accord? Sur le même réseau, vous avez des équipements Windows, des équipements Linux. Et vous voulez, par exemple, que tout ceci ait leurs informations plutôt par DHCP. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir un router advertisement avec le champ M à 1 et le champ O à 1. Quand les équipements Windows, Linux et autres vont voir le champ M à 1, ils vont tout simplement aller vers DHCP pour toutes les informations. Quand les équipements Android vont voir le champ A à 1, ils vont faire Slack, d'accord? Et quand ils vont voir O, ils vont aller vers DHCP pour chercher, par exemple, l'adresse du serveur DNS, le domain names, le domain search list, ainsi de suite. Donc, il y a des scénarios comme ça là. Donc, toutes les configurations que vous allez faire vont dépendre de la préparation de votre réseau, de ce que vous entendez faire de votre réseau, de la connaissance de votre réseau. Est-ce que la version IPv6 supprime l'avertissement manuel? S'il vous plaît, essayez de reformuler votre question. Essayez de reformuler votre question. Dismiss them. On va donc passer à la sécurité. S'il y a des questions, on va les reprendre. S'il y a d'autres questions, on va reprendre après. Donc, on passe maintenant à la sécurité. Quelles mesures de sécurité prendre? Donc là, vous avez déjà configuré votre réseau. Et puis maintenant, il faut sécuriser ces réseaux. Je viens de raconter une bêtise. Normalement, vous devez penser à la sécurité dès le premier jour, dès l'entame de votre réseau, de la configuration. Mais là, je vous présente la configuration d'une part et je vous présente la sécurisation d'autre part. Sachez que vous devez combiner les deux pendant que vous faites votre configuration. Donc, dès la conception de votre réseau, pensez à la sécurité. Question pour un champion.
C'était trois potentielles vulnérabilités liées à IPv6. Allez donc sur menti.com. Le code, c'est 86-95-20. Et répondons, nous avons une minute. Allez sur menti.com, s'il vous plaît, tout le monde, connectez-vous sur menti.com. Nous avons 72 participants. Connectons tout le monde sur... Allez, ouvrez le lien menti.com. Vous n'avez pas besoin de créer un compte. Vous entrez juste le code que je vous ai envoyé, 86-95-20, menti.com. C'est trop facile à utiliser, c'est juste une page web. Menti.com, alors on a une personne qui dit Dynamic DOS, déni de service dynamique. Citez les problèmes liés, les problèmes de sécurité qu'on peut avoir avec IPv6. Quelles sont les vulnérabilités qu'on peut avoir avec IPv6? Il y a quelqu'un qui dit Fake Router Advertisements. Allons-y sur menti.com. Trois personnes seulement ont répondu. Il nous reste 35 secondes. Nous sommes 71 personnes dans ce webinaire. Allons-y, dites n'importe quoi, connectez-vous, prenez votre téléphone, ouvrez le site menti.com, allez dans votre navigateur Firefox, Mozilla, entrez menti.com, entrez le code 86-95-20 et participez à la question. Il reste 11 secondes. 7 secondes. 3, 2, 1. OK. Intéressant. Pas mal d'options. Il y a denial of service. Spoofing. Man in the middle, denial of service, MAC address, AAP spoofing, phishing, routing solicitation, fake router advertisements. Voilà. Donc, voilà. Il y a pas mal d'options. Il y a pas mal de propositions. Man in the middle, ça c'est intéressant. OK. Donc, explorons ensemble. Explorons ensemble et voyons ce que moi je pense. Une autre question qui découle de la précédente question. Parce que vous avez dit un ensemble de choses, mais vous avez ignoré beaucoup de choses qui sont liées à IPv4. Certaines personnes pensent que IPv6 est plus sécurisé que IPv4. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Allez sur menti.com. Le même code. Vrai ou faux? IPv6 est plus sécurisé qu'IPv4. Connectez-vous. Je vais commencer le quiz bientôt. C'est un quiz qui est... Allez, donc je commence. Allez-y. Le temps s'écoule. Hein? Là... À la fin, vous n'aurez plus la possibilité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? IPv6 est plus sécurisé qu'IPv4. Vrai ou faux? Vrai ou faux? IPv6 est plus sécurisé qu'IPv4. Connectez-vous sur menti.com. Utilisez le code 86-95-20. C'est un site, c'est une page web facile à utiliser. Vous pouvez utiliser à partir de votre téléphone. Vous pouvez utiliser à partir de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'un compte. Vous allez tout simplement sur menti.com. Vous entrez le code que j'ai mis à l'écran. 1-0, time is up, time is up. Oups. Hé hé. C'est très faux, les amis. Et dit que 24 personnes pensent que IPv4 est plus sécurisé que IPv6. C'est un mythe. Oh,
L'inverse aussi n'est pas vrai. Aucun des deux n'est plus sécurisé que l'autre. La sécurité des réseaux dépend de vous, pas du protocole. Le protocole ne vous donnera jamais la sécurité garantie. Zéro, oubliez. Ne comptez pas sur les protocoles pour sécuriser votre réseau. Comptez sur vous-même. Comme ça donc, on va passer. On va regarder ensemble quelles sont les vulnérabilités. Donc, les vulnérabilités, le premier type de vulnérabilité, ce sont les vulnérabilités qui sont liées à votre système. Donc, votre système d'exploitation, vos logiciels, les systèmes d'exploitation et les logiciels que vous utilisez. Le deuxième type, il y a les failles qui sont liées au DNS. Et vous êtes d'accord avec moi que ceci, ces deux sont des problèmes qui sont aussi disponibles dans IPv4. Donc, ça n'a rien à voir avec IPv6. Et aussi, on a la sécurité physique, hein, dont je n'ai pas voulu parler ici. Donc, si j'ai accès physiquement à votre équipement, je peux tout faire. Maintenant, on a les failles qui viennent avec IPv6 lui-même. Et là, la sécurité dont je suis en train de parler ici, là, c'est la sécurité au niveau des équipements terminaux, donc au niveau de vos VLAN. Je ne vais pas parler de la sécurité de votre cœur de réseau, de votre edge. Je ne vais pas parler de ces parties-là. On va voir, par exemple, la sécurité avec BGP, avec le routage, tout ça. Non, je ne vais pas parler de ça. Je vais me contenter du lien de vos VLAN. Parce que si on veut parler de ça, on va passer toute une année là. Donc, quelques failles qui sont liées à vos systèmes. On se souvient des vers, des virus, des chevaux de Troie, des espions logiciels, des adware, des malware, ainsi de suite. Toutes ces failles vont continuer à être disponibles sur vos systèmes. Donc, si vous n'allez pas explicitement pallier à ceci, ces problèmes vont continuer d'exister. Donc, ne croyez pas que c'est parce qu'on a déployé IPv6 qu'on va oublier les virus, les vers, les chevaux de Troie, les espions logiciels, ainsi de suite. Ils vont toujours exister. Donc, ça, c'est le premier niveau de sécurité qu'il faut considérer. Et comment est-ce que vous palliez à cela? Première chose, il faut former le personnel. Former le personnel. Apprenez aux gens qu'ils ne doivent pas ouvrir n'importe quelle pièce jointe dans les mails qu'ils ne connaissent pas. Mettez à jour vos systèmes, vos logiciels. Lorsque vous avez un système et qu'il y a un patch, téléchargez et installez-le. Installez les antivirus. Choisissez un des antivirus qui vous plaît, installez-le et assurez-vous que la définition des virus est toujours à jour. Donc, voilà les mesures que vous devez prendre pour pallier aux failles qui vont attaquer vos systèmes. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on va s'attarder là-dessus. Mais c'est important que je fasse ce rappel mémoire-là parce que les gens oublient généralement cela. Ils vont se contenter de faire des firewalls, configurer des firewalls, configurer des IDS, des IPS, tout ça. Ils vont oublier les systèmes eux-mêmes. Mettez à jour vos systèmes d'exploitation. Mettez à jour vos logiciels. Formez votre personnel. Dites à vos personnels qui sont dans vos entreprises de ne pas échanger leur mot de passe, de ne pas partager leur mot de passe avec les collègues. Parce que si j'ai accès au mot de passe de votre machine, je peux venir installer un espion là-dessus. Je peux installer un malware dessus. Je peux installer un keylogger dessus. Donc, il faut former le personnel. C'est important. Deuxième chose, patcher les systèmes. Troisième chose, installez les antivirus et mettez-les à jour. Si vous ne voulez pas souffrir, si vous ne voulez pas avoir toutes ces souffrances, passez sous Linux. Voilà. Donc, on va passer. Quelques failles liées au DNS. La première faille liée au DNS, c'est l'empoisonnement du cache.
on a l'empoisonnement du cache, on a l'usurpation du nom de domaine, on a l'usurpation du DNS lui-même, on a le flooding que les gens confondent généralement avec l'empoisonnement du cache, on a les attaques de NIS domaine et on a la collecte et la vente des données. Donc voilà les vulnérabilités qu'on peut avoir avec le DNS. Ces vulnérabilités sont les mêmes vulnérabilités qu'on avait avec IPv4. On est d'accord là-dessus. Ce sont les mêmes vulnérabilités qu'on avait avec IPv4. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ça? Pour pallier à ça, il faut, première chose, je ne vais jamais, chaque fois que je parle de la sécurité, le maillon faible de votre sécurité, de votre système informatique, définit le niveau de sécurité que vous avez dans votre organisation. Première chose, assurez-vous que vous formez le personnel. J'allais oublier, il y a un niveau zéro, il faut définir déjà une politique de sécurité et l'implémenter. Puis, formez le personnel. Dites aux gens quels sont les comportements permis au sein de l'organisation. Formez les gens, dites-leur comment est-ce que le DNS marche. Qu'ils sachent. OK? Maintenant, la deuxième chose, utilisez des serveurs sécurisés. N'utilisez pas les serveurs qui vont faire, qui n'implémentent pas DNSSEC, par exemple. Et ce qui est même plus grave, c'est que, bon, là maintenant, si j'utilise mon ordinateur, je peux installer un antivirus pour mon ordinateur. Si j'utilise mon smartphone, je peux installer un antivirus pour mon smartphone. Mais pour les équipements de IoT, l'Internet of Things, l'Internet des objets, on n'a pas la possibilité, du moins pas encore la possibilité d'installer des antivirus pour ces systèmes-là. Du coup, il faut penser au système de DNS qui vont vous permettre de bloquer, les DNS, il y a les systèmes de DNS qui permettent de bloquer les sites malveillants. Un exemple, c'est le Quad9, 9.9.9.9. Donc, si vous n'avez pas un système de DNS fiable, ou bien si vous voulez utiliser, un résolveur qui va vous aider à bloquer les sites malveillants, utilisez le Quad9. Il va vous aider à le faire. Vous n'aurez pas à vous casser la tête. Et aussi, pensez au niveau de vos firewalls de faire de la limitation de trafic. Il faut limiter le trafic de sorte que si votre firewall sent qu'il y a beaucoup de requêtes DNS qui viennent d'une adresse IP spécifique, il faut bloquer. Ça veut dire qu'il y a une attaque de flooding qui est en train de se passer à ce niveau-là. Et aussi, il faut utiliser les IDS et les IPS, de sorte que les IDS, ils vont analyser votre réseau pour voir s'il y a des comportements qui ne sont pas des comportements normaux. Et ils vont donc vous envoyer des alertes pour que vous vérifiez pour voir s'il n'y a pas des utilisateurs malveillants dans le réseau. Donc, ça, c'était pour les DNS. Maintenant, les firewalls, bon, on va revenir sur les firewalls tout à l'heure. Donc, on a regardé les attaques qui sont possibles contre vos logiciels et contre votre système d'exploitation. Et on a aussi regardé les attaques possibles contre le DNS. Maintenant, on va regarder les attaques qui sont liées à IPv6 lui-même. Et dans votre réseau LAN, les attaques sont généralement liées à ICMPv6. Et ces attaques, on va avoir les attaques comme les attaques contre les routers advertisement, les attaques contre le redirect, les attaques contre le DHCP et les attaques contre le Neighbor Discovery, qui sont les attaques contre le Neighbor Solicitation et le Neighbor Advertisement. OK. Donc, voilà les attaques possibles. Commençons donc par la première forme d'attaque contre le router advertisement, qui est l'usurpation des routeurs. On a notre routeur qui est dans le réseau. Un utilisateur malveillant peut décider
de commencer à envoyer des router advertisements dans le réseau. Pendant que vous envoyez vos router advertisements, lui aussi, il envoie ses router advertisements. Et là, la victime, si le router advertisement, parce que lorsque vous envoyez le router advertisement, il y a un champ prefer. C'est le routeur avec le prefer le plus élevé qui va être utilisé comme passerelle par défaut. Et donc, si celui-ci envoie un router advertisement avec un prefer élevé, les gens, les équipements du réseau vont le préférer pour aller sur Internet. Et il peut donc, lorsqu'il va donc recevoir les paquets, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire du trash. Il peut tout simplement drop tous vos paquets. Et là, ce serait un déni de service. Vous n'aurez plus accès à Internet. Ou alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut devenir un man in the middle. Donc, il reçoit vos paquets, il envoie tout de même sur Internet et vous allez recevoir des réponses. Et qu'est-ce qu'il va donc faire avec vos paquets? Il peut modifier vos paquets avant de les envoyer. Ou alors, il peut lire le contenu et s'en servir. Imaginez-vous que dans ce paquet-là, il y a des informations comme par exemple des mails que vous voulez échanger. Si ces paquets ne sont pas cryptés, le mec, il peut reconstituer vos messages. Donc, voilà les deux premières formes d'attaque, déni de service et man in the middle en usurpant les router advertisements. Autre attaque contre le router advertisement. Le même mec sur le réseau peut, dans son router advertisement, envoyer des préfixes. Un ou plusieurs préfixes. Il peut envoyer un faux préfixe ou alors il peut vous submerger avec plusieurs préfixes. Donc, il envoie plusieurs préfixes, il envoie des préfixes, il envoie des préfixes avec le champ A à 1. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous recevez un préfixe avec le champ A à 1, vous allez configurer une adresse IP avec ce champ A là, avec ce préfixe-là. Si je vous envoie 10 000 préfixes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez configurer 10 000 adresses IP. Ce qui fait qu'à un moment donné, non seulement il consomme votre processeur, mais il vous fait aussi envoyer des router advertisements, des neighbor advertisements avec ces préfixes-là. Et vous saturez comme ça la table de vos voisins. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est il peut tuer le routeur. Donc, là, par exemple, on revient au slide précédent où ici, là, je présentais. Il peut, s'il connaît le router advertisement que ce routeur a envoyé, il peut forger un router advertisement, il envoie à la victime avec un prefet égal à 0, tout simplement. Si le prefet est égal à 0, on n'utilisera plus ce routeur. On va chercher un autre routeur. Donc, et comment donc pallier? D'après vous, quelles mesures peut-on prendre pour parer aux attaques contre les router advertisements? OK. Les mesures sont les suivantes. Vous pouvez augmenter, vous pouvez vous arranger à ce que le prefet de votre routeur légitime soit assez élevé, de sorte que quand les gens vont envoyer, quand un utilisateur malveillant va envoyer son router advertisement, son prefet sera toujours inférieur au vôtre. Ou alors, vous pouvez tout simplement aller désactiver Slack sur vos équipements, sur les autres. Mais est-ce que vous voulez faire ça? Est-ce que vous voulez faire de la configuration manuelle?
Parce que même si vous faites DHCP, on peut vous attaquer par DHCP. Vous ne voulez pas faire de la configuration manuelle. Si vous avez 100 équipements, 200 équipements, même 50, même 25, même 10, je ne veux pas faire de la configuration manuelle. Parce que les adresses IPv6 sont assez longues. Je ne veux même pas configurer un seul équipement manuellement. OK? Donc, Slack, désactiver Slack, c'est envisageable, mais c'est assez difficile. Vous pouvez utiliser Secured Neighbor Discovery, où vous allez, au niveau de l'hôte, vous allez activer la création de clés privées et publiques. Vous allez créer un certificat et les communications donc, entre vos équipements vont donc être cryptées. De sorte que le gars celui qui va vouloir usurper, tant qu'il, comme il n'aura pas votre clé privée, comme il n'aura pas la clé privée du routeur, du coup, il ne pourra pas vous usurper. Donc, vous pouvez utiliser cela, la méthode cryptographique. Ou bien, vous pouvez faire de l'isolation. De l'isolation, c'est-à-dire, vous avez tous vos équipements qui sont là et vous mettez chacun de lui sur son private VLAN. Ça veut dire que chacun est sur son propre VLAN. De sorte que si l'utilisateur malveillant vient s'installer là et qu'il envoie un router advertisement, pour que ça vous arrive, ça doit passer par le routeur. Et comme le routeur il ne va laisser passer aucun router advertisement, son router advertisement va arriver là et ça sera bloqué. Donc, vous pouvez faire les private VLAN. Vous pouvez configurer les ACL sur les switches, sur vos switches. Donc, si nous avons notre routeur là qui est connecté au switch ici et qui a plusieurs équipements qui se connectent sur le switch, puisqu'on sait que le routeur se connecte seulement à ce port-ci, on peut donc activer une ACL ici pour dire que si le router advertisement est reçu sur un de ces ports, qu'il soit tout simplement ignoré. Donc, notre utilisateur malveillant va venir s'asseoir là. Il va envoyer son router advertisement. Ça va arriver là. Pong! Allez, on met dans la poubelle. Ça, c'est ma poubelle à moi. Hein. OK. Donc, voilà. Vous pouvez faire ça. Ou bien, vous pouvez faire du RA Guard. Du RA Guard qui est défini dans la RFC 6105. Vous pouvez aussi limiter le nombre possible d'adresses IP sur une autre. Vous avez vu sur un autre. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit qu'il était possible de faire un router advertisement avec plusieurs préfixes. Mais si je décide, par exemple, que sur mes équipements, je vais activer de sorte qu'il n'ait que 2 ou 3 adresses IPv6. Du coup, quel que soit le nombre de router advertisement que vous allez m'envoyer, puisque j'ai déjà mes 2 à 3 adresses, ça ne sert à rien. Ou bien vous pouvez aussi utiliser le NDPMON. Le NDPMON, c'est un outil qui va vous permettre de monitorer NDP. Donc, il va monitorer tous les messages NDP que vous connaissez. Router solicitation, router advertisement, neighbor solicitation, neighbor advertisement, redirect. Et lorsqu'il va donc remarquer un comportement bizarre, par exemple, il y a un équipement qui passe son temps à envoyer plusieurs neighbor solicitation, il va le suspecter. Il y a un équipement qui envoie des router advertisement alors qu'il n'est pas autorisé, il va vous avertir, il y a tel équipement qui envoie des router advertisement, pourtant il n'est pas autorisé. Et aussi, vous pouvez aussi sur votre hôte, vous pouvez utiliser les IPS. H-I-P-S. H, c'est pour dire hôte. Host Intrusion Prevention System. Si sur votre équipement, sur votre ordinateur, vous avez activé un détecteur d'intrusion, quand il va recevoir des neighbor advertisements intempestifs, il va suspecter cet équipement-là. Ou bien des neighbor solicitations intempestifs, il va suspecter cet équipement. Et il va donc pouvoir vous avertir et puis vous pouvez bloquer l'équipement en question. Donc, voilà les mesures que vous pouvez prendre. 9 mesures, ce n'est pas exhaustif. Hein? On peut continuer de citer comme ça. Là. Maintenant, allons voir l'usurpation de redirect.
on vient de voir l'usurpation de route advertisement, l'usurpation de redirect. Pour faire l'usurpation de redirect, il faut au moins deux équipements malveillants, deux ordinateurs malveillants. Donc, le redirect, comme on a expliqué tout à l'heure, c'est que on utilise un routeur dit à l'équipement d'utiliser un autre routeur. Donc, dans notre cas d'espèce, tout se passe comme j'expliquais au départ. Voici notre routeur. Notre routeur envoie des routes advertisement à nos clients et un utilisateur malveillant a aussi envoyé des routes advertisement. Ce qui fait que désormais, on a deux routeurs dans le réseau. Lorsque vous voulez donc communiquer sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous envoyez le paquet, votre paquet arrive à cet ordinateur malveillant. Cet ordinateur malveillant va donc vous envoyer un redirect pour vous dire que pour aller à telle destination, utilisez ce routeur. Ce qui fait que la victime va donc envoyer son trafic vers cet équipement qui va l'envoyer sur Internet. Soit cet équipement va l'envoyer sur Internet ou alors il va le mettre à la poubelle comme tout à l'heure. Donc, il y a la possibilité de faire du denial of service ou bien du man in the middle avec cette autre attaque de redirect là. Et pour pallier donc, voilà un exemple de redirect que j'ai capturé sur... Voilà un exemple d'usurpation de redirect sur le lien. Donc, vous voyez par exemple, voilà un gars qui fait un ping sur 129. Sur un écho 129. OK? Et pour pallier donc au redirect, utilisez NDPmon. Utilisez NDPmon pour monitorer vos messages NDP. Prochain problème que nous pouvons avoir dans le réseau, si nous avons un serveur DHCP légitime, nous pouvons utiliser un faux serveur DHCP. Et lorsque j'envoie mon sollicite, qui est le premier message DHCP, ça va aller vers les deux serveurs DHCP. Je vais recevoir un advertise des deux serveurs DHCP. Et quand je reçois mon advertise des deux serveurs DHCP, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir celle qui m'intéresse. Il y a de fortes chances que je puisse choisir le mauvais. Et le mauvais va donc m'envoyer une adresse IP. Ça peut être une mauvaise adresse IP. Ou bien il peut même m'envoyer une bonne adresse IP, mais avec des paramètres DNS erronés. D'accord? On peut utiliser cette technique pour envoyer, pour faire de l'épuisement des plages d'adresses IP. Ça veut dire que toutes les adresses IP qui sont ici, qui sont déclarées ici, là, je les marque comme attribuées sur mon faux serveur. Et du coup, les équipements ne pourront pas avoir d'adresse IP dans le réseau. OK, je vais m'arrêter ici pour vous demander d'aller sur menti.com. Quelles mesures peut-on prendre pour parer aux attaques contre le DHCPv6? Quelles mesures peut-on prendre Quelles mesures peut-on prendre pour parer aux attaques contre DHCPv6? Allons-y, connectons-nous sur menti.com. Menti.com, le code c'est 86 95 20. Nous avons 60 secondes.
Le temps nous tient à la gorge. Quelles mesures peut-on prendre pour résoudre les problèmes d'attaque DHCP? Il y a quelqu'un qui n'a aucune idée? Donner une bonne plage d'adresse. Trust ports. Oui, ça c'est intéressant. Former les utilisateurs. Si vous formez vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Celle-là est bonne. Sécuriser votre DNS. Oui, oui. Là, si on a un faux, des faux paramètres DNS, si on a un bon DNS dans le réseau, il peut parer ça. Utilisation des VLAN utilisateurs, c'est que intéressant. Utiliser NDP-MON, oui. Désactiver Slack pour DHCP. Relisez la question, s'il vous plaît. Les VLAN et les ACL, oui. Les listes de contrôle d'accès, DNSSEC, les mises à jour. OK. Voilà. Merci. Merci. Il reste 5 secondes. Voilà. OK, on va dévoiler comme ça les réponses. Donc, les mesures pour sécuriser votre serveur DHCP. La première mesure, c'est d'implémenter la RFC 3315, c'est la RFC qui spécifie DHCP V6E. Il y a un mécanisme d'authentification des messages DHCP V6, c'est-à-dire les divers messages sollicite, advertise, request, tout ça. Vous pouvez authentifier ces messages-là en utilisant l'algorithme qui est défini dans la RFC 3315. OK? Donc, il y a cette méthode-là. Vous pouvez faire du DHCP snooping. D'accord? Vous pouvez faire du DHCP snooping. Vous pouvez faire de la limitation. De la quantité de paquets que vous recevez en destination du serveur DHCP venant d'un équipement particulier. Et sur votre firewall, vous pouvez faire du deep packet inspection. Si vous faites du deep packet inspection, vous rentrez dans le corps des messages DHCP. Il est possible de se rendre compte que par exemple, la plage d'adresse que ce serveur est en train d'envoyer n'est pas la bonne plage. Donc, il y a comme ça, si vous faites du deep packet inspection, vous pouvez résoudre votre problème. Donc, voilà 4 mesures possibles. On va donc maintenant regarder les problèmes de Neighbor Discovery. Et le premier problème de Neighbor Discovery, c'est l'usurpation de Neighbor Advertisement. Regardez l'image à l'écran. Cette image, j'ai cet équipement qui va comme ça envoyer des Neighbor Advertisement. Il se met à envoyer des Neighbor Advertisement à tous les équipements qui sont connectés sur le lien. La conséquence ici, c'est que quoi? C'est que quand cet équipement reçoit un Neighbor Advertisement venant de lui, il le considère comme légitime et va donc l'enregistrer dans sa table de cache. De même pour celui-ci. Qu'est-ce qui va donc se passer ici? Nous savons que le Neighbor Advertisement est utilisé pour faire quoi? Dans ce cas-ci, par exemple, c'est pour la résolution d'adresse MAC. Pour la résolution d'adresse MAC. Pour la résolution d'adresse MAC, lorsque j'envoie le paquet, j'envoie un paquet à une adresse
en FF02.2.1.FF, qui est l'adresse multicast de sollicitation de nœuds, si un équipement malveillant dans le réseau met sa carte en mode promiscuous, il va donc recevoir ce paquet. Lorsqu'il a reçu ce paquet, il peut répondre en disant aux victimes, je suis propriétaire de cette adresse IP, voici mon adresse MAC. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il y aura communication, les gens, les équipements vont lui envoyer les communications. Il peut donc utiliser cette communication pour faire deux choses. Soit il fait du man in the middle, soit il fait du DOS. Comment est-ce qu'il peut faire du DOS? Une fois qu'il va recevoir les communications, il peut les drop. Ou alors, s'il reçoit les communications, il peut les passer à la bonne destination, mais il aura quand même lu le contenu de la communication. Le déni de service pendant le DAD. J'ai expliqué ici que lorsque vous configurez une adresse IPv6, pour chaque adresse IPv6 que vous configurez, il y a du DAD qui est effectué, Duplicate Address Detection. Maintenant, imaginez-vous que je suis sur votre lien, me voici. Je suis un gars très malveillant. Je mets ma carte en mode promiscuous. Et toutes les requêtes que vous envoyez pour dire, est-ce que je peux utiliser cette adresse IP? Je vous dis non. Ne l'utilisez pas car je l'utilise déjà. Est-ce que je peux utiliser cette autre adresse IP? Non, ne l'utilisez pas car je l'ai déjà. Est-ce que je peux utiliser cette autre adresse? Donc, toutes les demandes de Duplicate Address Detection, je vais vous dire non, cette adresse est déjà utilisée. Et lorsque je me comporte comme ça, ça fait que je fais du déni de service. Vous n'aurez jamais une adresse IP. Parce que toutes les tentatives que vous allez faire pour résoudre votre adresse IP, je vais vous dire que j'utilise déjà cette adresse IP. Autre attaque contre le neighbor advertisement, c'est le spoofing de neighbor advertisement, où un équipement dans le réseau se met à envoyer des neighbor advertisement non sollicités. Il peut envoyer cela pour modifier les adresses MAC dans la table des voisins, ou bien même pour envoyer une entrée dans la table des voisins. Les conséquences ici, c'est que vous pouvez avoir un déni de service ou bien un man in the middle attack. Ça peut aussi saturer le cache des voisins ou alors saturer le cache, la table des adresses MAC sur le switch dans votre LAN. Voilà par exemple un exemple de spoofing, cette fois-ci plutôt de neighbor solicitation. Normalement, les messages neighbor solicitation doivent être envoyés soit au SNME ou alors à une adresse unicast. Mais rien ne m'empêche d'envoyer un neighbor solicitation à l'adresse FF02.2.1. Si j'envoie donc ce neighbor solicitation à cette adresse, qu'est-ce qui va se passer? Je peux comme ça la pomper ce neighbor solicitation-là à tous les équipements qui sont dans le réseau ou bien envoyer une pléthore de ce neighbor solicitation-là à un équipement particulier. Regardez par exemple, lorsque je fais show IPv6 neighbor sur un équipement, ça c'est un routeur Cisco, il me donne le cache de ses voisins. Ça, ce sont les équipements avec qui il vient de communiquer. Si je vous envoie 1 million de neighbor solicitation avec des adresses IP différentes, vous allez en avoir dans votre cache 1 million d'entrées. Par conséquent, je peux saturer votre cache. Je peux vous imposer du travail sur votre processeur. Parce que chaque fois que vous recevez ces paquets-là, vous devez traiter. Et si
vous en recevez en grand nombre, ça peut faire un déni de service. Donc, voilà. Les mesures à prendre pour sécuriser le network advertisement, il faut activer les IPS. Vous pouvez utiliser Endemon. Donc, voilà pour ce qui est de la configuration d'IPv6 pour vos nœuds terminaux dans vos réseaux, ainsi que une brève présentation de la sécurité. Nous allons nous arrêter là et nous allons prendre quelques questions. Donc, nous allons prendre 10 minutes de questions. OK. Est-ce que vous avez des questions? OK, il n'y a pas de questions. Il y a eu pas mal de questions qui ont été posées. OK, il y a une question qui vient de surgir. Willy, tu peux lire la question, s'il te plaît. Kems n'a pas écrit la question, il a juste dit si. Ah, OK. Il était en train de vouloir écrire sa question. D'accord, on va attendre encore un peu, quelques minutes encore, et puis on pourra mettre un terme au webinaire. Quelle norme est capable de bloquer les routes d'advertisement? Norme? Bon, pour les routes advertisement, l'attaque contre les routes advertisement, j'ai présenté quelques attaques contre les routes advertisement. Et j'ai dit que contre les routes advertisement, il était possible que j'arrive, par exemple, avec un équipement dans le réseau et je me mets, par exemple, à pomper des routes advertisement. Les équipements qui sont dans le réseau vont me prendre pour un routeur légitime et pourront donc envoyer leur trafic vers moi. S'ils envoient leur trafic vers moi, le problème, c'est quoi? Je peux utiliser ce trafic soit pour faire du déni de service, c'est-à-dire en droppant tout leur trafic, ou alors je peux être un man in the middle, j'envoie ce trafic normalement au routeur concerné. Pour bloquer ce genre de truc, c'est que lorsque vous avez configuré votre switch, vous connaissez sur quel port vos routeurs sont connectés. Vous pouvez donc écrire une ACL qui va bloquer tous les routes advertisement qui viennent sur les ports sur lesquels les routeurs ne sont pas connectés, du moins des routeurs légitimes. Ça, c'est une manière de le faire. Deuxième manière de le faire, vous pouvez faire en sorte que votre routeur légitime envoie les routes advertisement avec le champ préfet avec une valeur très élevée, de sorte que personne d'autre ne puisse envoyer un route advertisement qui soit préféré par rapport au vôtre. Ça, c'est la deuxième manière de le faire. Vous pouvez faire du Secure Neighbor Discovery. Dans le Secure Neighbor Discovery, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous faites carrément de la cryptographie, de sorte que les messages NDP que vous envoyez soient cryptés. Donc, voilà quelques exemples. J'en ai cité une pléthore. J'ai dit que vous pouvez utiliser Endemon pour monitorer. Vous pouvez activer des systèmes de détection d'intrusion sur vos systèmes. Voilà. Et vous pouvez aussi faire de la limitation en termes de nombre de paquets qui sont envoyés par les équipements sur le réseau. Cela va se faire au niveau du firewall. Pourquoi pour chaque adresse IPv6 attribuée, une adresse multicast est générée automatiquement? Il faut bien compléter une adresse multicast de sollicitation de nœud. OK? Donc, imaginons votre réseau IPv6. Voici votre réseau IPv6.
D'accord. Sur ce réseau IPv6, vous avez connecté un ou deux routeurs. Et sur ce même réseau IPv6, vous avez plusieurs équipements. OK. Donc, voilà nos équipements. En IPv4, si je veux faire de la résolution d'adresse MAC, je vais utiliser ARP. Et ARP fait ce qu'on va appeler du broadcast. OK. En IPv6, nous avons enlevé le broadcast. Il n'y a plus de broadcast. Donc, retenez cela. Il n'y a plus de broadcast en IPv6. Ce qui fait que nous reposons essentiellement sur du multicast pour certaines fonctions. Et le multicast, c'est quoi? C'est l'envoi de 1 à N. Ça veut dire que j'envoie, lorsque j'envoie un message multicast, j'envoie une information qui va être reçue par un groupe d'équipement. Donc déjà, on sait que le broadcast n'est pas bon pour nos réseaux parce que ça sature la bande passante et ça consomme aussi les ressources des processeurs, des équipements qui vont les recevoir et qui vont les traiter. Maintenant, en IPv6, on dit on va enlever le broadcast et on va utiliser le multicast. Si je suis sur ce lien et que je veux envoyer un paquet à tous les équipements qui sont sur le même lien, je vais envoyer ça à l'adresse multicast F02.2.1. Si je veux envoyer seulement au routeur, j'envoie à F02.2.2. On pouvait s'arrêter là et dire que bon, si je veux résoudre l'adresse MAC d'une adresse IPv6, je peux tout simplement envoyer un message à l'adresse IPv6 FF02.2.1. Mais on a dit non, on va optimiser. Pour donc optimiser, on a créé un concept qu'on appelle les adresses multicast de sollicitation de nœuds. Les adresses multicast de sollicitation de nœuds. En anglais, solicited node multicast address. L'adresse multicast de sollicitation de nœuds, c'est une adresse multicast qui va appartenir seulement aux équipements ayant les mêmes 24 derniers bits. Ça veut dire que voici l'équipement A, voici l'équipement B, voici l'équipement C, voici l'équipement D, E et F. Si l'équipement A et B vont se configurer les adresses IP, allons dire que celui-ci se configure l'adresse 2001 DB8 2.2.1. Celui-ci, c'est 2001 DB8 2.2.2. Là, c'est blablabla 2.2.3, blablabla 2.2.4, blablabla 2.2.5, blablabla 2.2.6. Lorsque j'ai configuré cette adresse multicast, cette adresse unicast, cet équipement va générer une adresse multicast de sollicitation de nœuds et va écouter là-dessus. Cette adresse multicast de sollicitation de nœuds va être constituée de ces 24 derniers bits plus le préfixe FF02.2.1.2.FF avec les 24 derniers bits de celui-ci. Celui-ci va faire pareil, celui-ci va faire pareil, celui-ci va faire pareil, celui-ci va faire pareil. Maintenant, regardez l'importance de cette adresse. Si l'équipement C veut communiquer avec l'équipement A, qu'est-ce qu'il va faire en premier? Il va faire une résolution d'adresse MAC. Pour faire une résolution d'adresse MAC, qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas un paquet de broadcast. Il n'envoie pas un paquet de multicast à tous les nœuds qui sont sur le réseau. Il envoie un paquet de multicast à l'adresse multicast de sollicitation de nœuds qui correspond à l'adresse IP du nœud de destination. Ce qui fait que
Seulement ce nœud va recevoir ce paquet-là. Celui-ci ne va pas recevoir, celui-ci ne va pas recevoir, celui-ci ne va pas recevoir, celui-ci ne va pas recevoir. Donc, c'était une manière d'améliorer le protocole IPv6, l'adresse multicast de sollicitation de nœud. Ce qui fait que tous les équipements, lorsque vous avez configuré une adresse unicast, on génère automatiquement une adresse multicast de sollicitation de nœud pour faire en sorte que le trafic sur le réseau ne submerge pas le réseau. Donc, voilà le but des adresses multicast de sollicitation de nœuds qui sont générées automatiquement pour toutes les adresses IPv6 attribuées. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'attaques sur IPv6 liées au man in the middle. Ma question est la suivante. Peut-on juste signer et authentifier cryptographiquement les échanges Neighbor Advertisement et Neighbor Solicitation Router Advertisement pour bloquer les non validés, les messages des attaquants, car pour moi, les attaques possibles semblent un peu gigantesques. Si je me mets à énumérer les attaques qui sont possibles en IPv4, vous n'aurez plus cette impression. Ouais. Les attaques qui sont, toutes les attaques que j'ai énumérées en IPv6 là, ce sont les attaques qui étaient possibles en IPv4 qu'on a juste reconfigurées en IPv6. Donc, oui, vous pouvez, si vous voulez être parano, activer de la cryptographie, tout simplement. Mais les mécanismes de sécurité qu'on adopte dans un réseau dépendent de ce qu'on attend, des attentes du réseau. Certaines personnes vont chercher à trouver un juste milieu entre la sécurité et la fluidité du réseau. Donc, il y a un compromis qu'il faut se faire à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas une méthode qu'on va recommander de façon universelle. Ça va dépendre de votre réseau. Maintenant, je vous ai donné tous les outils à vous d'appliquer en fonction de votre contexte. Et pour la petite histoire, pendant que vous êtes là, vous pensez que toutes ces attaques que j'ai décrites, il faut être un expert pour pouvoir les exécuter. C'est très facile. Hein? Allez sur Internet, vous cherchez le IPv6 attack toolkit. Vous serez en mesure de reproduire toutes les attaques que je vous ai montrées là. Et même plus encore. Je n'ai pas décrit toutes les attaques. J'ai décrit juste celles qui étaient liées au LAN. Et même celles qui sont liées au LAN, je n'ai pas tout décrit. Et c'est facile aujourd'hui de faire ces attaques-là. On n'a pas besoin d'être un expert en sécurité. Les hackers aujourd'hui n'ont pas besoin d'avoir de la compétence. Ils téléchargent seulement les outils et ils vont vous attaquer. Donc, il y a cet outil-là. Il y a deux outils comme ça sur Internet que vous pouvez utiliser pour reproduire ces attaques-là. Je n'ai même pas parlé de la fragmentation ici et ainsi de suite. OK. Sur une machine, peut-on avoir une adresse IPv4 et une adresse IPv6? Oui, ça s'appelle du dial star. Une machine ayant une adresse IPv4 peut communiquer avec une machine ayant une adresse IPv6? Non. À moins que vous n'activiez un mécanisme de transition, par exemple le NAT64, qui va permettre en sorte que quand le paquet IPv6 arrive, qu'il soit converti en IPv4 et ainsi de suite. Donc, IPv4, c'est comme si je parlais du chinois. IPv6, c'est comme si vous parliez du français. Nous deux, on ne va pas s'entendre, à moins qu'on ait un interprète entre nous. Avec IP version 4, on utilise la NAT pour aller sur Internet. Quel est le mécanisme similaire utilisé pour IPv6? Pourquoi est-ce que vous voulez faire NAT en IPv6? NAT était un mécanisme qui a été inventé parce qu'on avait une pénurie d'adresses IPv4. Maintenant qu'en IPv6, on a une pléthore d'adresses IPv6, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser NAT? Mais sinon, il y a aussi du NAT 6.6. Donc, si vous voulez faire ça, allez-y. Mais vous n'avez pas besoin de ça, tout simplement. NAT ne sert à rien de nos jours. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un va vouloir utiliser NAT dans son réseau. Donnez-moi un seul avantage de NAT. Je n'en connais pas. Donc, sur ce, je ne veux même pas qu'on parle de NAT. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci pour le temps.
Merci pour votre temps. Si vous avez besoin de regarder nos webinaires, par exemple celui que nous venons de finir, là, on va mettre l'enregistrement sur Internet. Et voilà voilà le lien pour accéder à notre chaîne YouTube. Maintenant, je vous ai montré comment on déploie IPv6 dans vos réseaux. Si vous avez des difficultés, contactez-nous. On a une cellule de déploiement qui va vous soutenir. Et je viens de vous présenter IPv6. Si vous vous sentez prêt et que vous pensez que vous connaissez déjà bien IPv6, Afrinic offre une certification IPv6. Donc, vous pouvez aller sur ce site et vous enregistrer pour composer la certification IPv6. Pour ceux qui sont intéressés par le support technique, pour qu'on vous assiste pour déployer IPv6, allez sur ce lien ou bien écrivez-nous à do@afrinic.net. Pour ceux qui sont intéressés à devenir des certifiés IPv6, allez sur ce lien ou bien écrivez-moi directement à stephen.onlue@afrinic.net. Je suis aussi sur Twitter, monlue. Voilà. Sur ce, j'ai envie de vous dire merci pour votre temps. Merci pour la patience. OK, il y a encore deux questions. Les gens veulent... Pour la technique de l'encapsulation de paquets IPv6 dans tunnel IPv4 sur une connexion ADSL, comment procéder? Ça, c'est une question que vous pouvez contacter nous directement. On pourra vous montrer comment configurer cela parce que c'est là vous demandez la configuration. On pourra vous aider comment configurer cela. Donc, contactez-nous sur ce site-ci. La certification IPv6 par Afrinic est-elle reconnue par les autres autorités paniques? OK. La certification IPv6 d'Afrinic est la meilleure dans le monde. À l'heure actuelle, c'est la meilleure dans le monde et c'est reconnu par l'IPv6 Forum, qui est le forum accrédité à reconnaître les certifications IPv6 dans le monde. Et je vous dis, nous avons la meilleure certification IPv6 dans le monde. C'est combien la certification? Ça dépend, il y a la certification Silver qui coûte $100 et la certification Gold qui coûte $150. Pour composer Silver, il n'y a pas de prérequis. Pour composer Gold, vous avez besoin d'avoir le Silver. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire, je vous donne une réduction de 35%. 35% de réduction. Et le code est valable jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc, c'est valable jusqu'au 22 décembre. Pour recevoir votre promotion, écrivez-nous dans l'un de nos mails qu'on a envoyé là, soit à do@afrinic.net, soit à stephen.onlue@afrinic.net. Donc, réduction de 35% pour tous ceux qui ont participé à ce webinaire pour la certification CertiSix. Ça, c'est une manière pour nous de clôturer l'année. Ah, Willy me souffle que je dois faire un peu plus. Comme c'est la fin d'année, je vais aller jusqu'à 50% de réduction. 50% pour clôturer l'année des webinaires. Donc, la Silver revient à $50 au lieu de $100. On le fait parce que Afrinic n'est pas un organisme à but lucratif. On ne fait pas ça pour gagner l'argent.
Et rappelez-le, je vous le rappelle, c'est la meilleure certification IPv6 qui existait dans le monde. Et cette offre-ci est valable, je l'ai dit, jusqu'au 22 décembre pour payer. Donc, une fois que vous avez payé, vous pouvez passer la certification après, même en janvier, mais vous devez avoir payé avant le 22 décembre. Au plus tard, le 22 décembre. Que faire si une autre entreprise veut obtenir des IP? Est-ce qu'on doit s'adresser à Afrinic ou son FAI? Ce service est gratuit ou payant? Si vous voulez obtenir un espace d'adresse IPv6, ça dépend du type d'organisation que vous êtes. Si vous êtes déjà membre d'Afrinic, vous allez obtenir cela gratuitement pour le moment. Si vous n'êtes pas membre d'Afrinic, contactez votre fournisseur d'accès. Pour plus de questions, envoyez-nous un mail à dioafrinic.net. Donc, ça dépend déjà de ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes membre d'Afrinic? Donc, on va regarder ça. On peut avoir une réunion tête à tête avec vous. On va voir si vous êtes déjà membre, on va vous expliquer comment est-ce que vous obtenez, comment est-ce que vous calculez la taille de votre préfixe. Si vous n'êtes pas encore membre, on va voir, on va vous conseiller comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir membre. Ou alors, si vous ne pouvez pas devenir membre, vous allez donc aller chez votre fournisseur. Quelle est la durée des certificats, la validité quand vous avez passé ces 3 ans? Comment devenir formateur à Afrinic? Pour le moment, il n'y a pas de poste ouvert, mais dès l'année prochaine, nous allons lancer un programme que nous appelons Afrinic X. Et nous allons prendre des gens dans les pays que nous allons former qui pourront être des formateurs dans leur pays respectif. Donc, ils pourront organiser des formations qui seront accréditées par Afrinic. Je veux savoir s'il est possible d'attribuer une IPv6 sur un ordinateur. Oui, il est possible. Bien possible. Référence à l'adresse de lien local qui doit avoir apparaître. Ah, d'accord. OK, là par exemple, si je prends mon ordinateur, est-ce que vous voyez mon ordinateur? Si je fais par exemple ifconfig en0, là, par exemple, j'ai une adresse. Voilà mon adresse IPv6 de lien local. Voilà mon adresse IPv6 globale. Mes deux adresses IPv6. Celle-là, je l'ai obtenue par autoconfiguration. Donc, j'utilise Slack. Donc, voilà mon ordinateur qui a son adresse IPv6. Voilà, il y a tellement de questions. On va s'arrêter là. Et vous avez nos contacts. Suivez-moi sur Twitter. Vous pouvez me poser n'importe quelle question sur Twitter. Vous avez nos mails. Envoyez-nous des mails si vous avez des problèmes. On a même un forum IPv6. Un forum IPv6 sur afrinic.discos. C'est afrinic.net. Donc, si vous vous inscrivez, c'est une liste de diffusion où on discute des affaires d'IPv6. Voilà, merci les amis. Ça a été plaisant. Rappel du contact, allez dans le chat, s'il vous plaît. Le contact. Allez dans le chat. Le contact a été envoyé dans le chat. Mon email, c'est stephen.onlue@afrinic.net.
OK. Merci les amis et joyeux Noël pour les chrétiens. Bonne année 2020. Je suis encore en 2016, je suis un fossile moi. Bonne année 2020 pour tout le monde et restez scotchés dans notre channel de webinaire. On a des bonnes choses pour 2020. Bye, 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 bye. Et c'est la fin.